Bonsoir, le temps était calme ce dimanche avec l'amélioration qui se met progressivement en place. C'est une journée d'été qui nous attend ce lundi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des cartes aussi jaunes, quelques grisailles tout au plus dans le nord du pays en début de journée, et puis un ciel voilé pour la Bretagne et pour les Alpes. L'après-midi, le soleil va s'imposer presque partout, quelques cumulus de beau temps tout au plus pour l'accompagner. Ils seront quand même plus nombreux vers les frontières du nord et près des reliefs avec un risque d'orage entre les Alpes et le Jura. Et puis au nord-ouest, le ciel sera voilé, un voile assez dense d'ailleurs pour la Bretagne et pour le Cotentin. Les températures de votre lundi matin, entre 10 degrés pour les Ardennes et 20 degrés aux abords de la Méditerranée. Et l'après-midi, température qui décolle partout, on repasse au-dessus des normales de saison, 26 à 30 en moyenne pour le nord, 30 à 33 en moyenne pour le sud, et jusque 34 à 36 degrés dans le sud-ouest, la maximale pour Bordeaux et pour Biarritz. Dans la nuit suivante, un risque orageux va se développer par l'ouest et on va le retrouver mardi des Pyrénées jusqu'à la Belgique. Il gagnera en fin de journée le flanc est du pays où le temps sera encore ensoleillé et chaud l'après-midi. 30 à Strasbourg, 32 à Lyon. Ça baisse un peu ailleurs, mais ça reste correct. 26 degrés pour Paris et pour Bordeaux. Pour mercredi, on retrouvera quelques ondées localement orageuses entre le Massif central et les frontières de l'Est et près des Pyrénées. Ça restera localisé. Ailleurs, de belles éclaircies au rendez-vous, notamment au nord-ouest et vers la Méditerranée. Et les températures finalement de saison l'après-midi avec des valeurs assez estivales. 26 pour Paris, 27 à Strasbourg, 29 à Lyon et 32 à Marseille. Pour la tendance avec jeudi et vendredi, là ça va se gâter malheureusement avec le retour d'une perturbation jeudi par le nord-ouest avec à l'avant des averses à caractère orageux. Il fera frais au nord-ouest mais chaud dans le sud. Vendredi, on retrouvera ce régime d'averses sur les deux tiers nord du pays avec quelques coups de tonnerre près des Alpes, un temps toujours ensoleillé et plus chaud en Méditerranée alors que la fraîcheur va s'installer au nord de la Loire. Et puis on la retrouvera samedi avec un temps plutôt frais et quelques ondées résiduelles pour le nord-est qui devrait s'atténuer pour dimanche avec le retour du soleil et de la chaleur sur les régions de la moitié sud. Demain, nous serons le lundi 14 août, nous fêtons les Évrards et nous perdons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée à tous et à demain.